Ok. Ben, bonjour à tous. On va faire une petite 45 minutes du coup sur Azure Arc. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça va être l'occasion de découvrir ces super services que nous met à disposition à Microsoft. Et l'idée, bon, c'est plus de faire un overview et après un maximum de démos aussi sur les différents sujets. Donc je vais me présenter rapidement. Jean-Benoît Pau. Ça fait 13 ans que je travaille chez Avanade, principalement sur les sujets Azure. Depuis presque 10 ans et dernièrement en plus toute une partie à formation. Donc voilà. On vient de commencer. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Un overview sur Azure Arc. Donc qu'est-ce que c'est? Quels sont les différents services associés à Azure Arc? Après, on va faire un petit tour sur ce que Microsoft nous met à disposition, donc le Jumpstart et la Arcbox, sur laquelle j'ai basé à peu près la plupart des démos qu'on a ici. Ça vous permettra de rejouer après, si vous voulez, tout ce qu'on va voir après. Et enfin, du coup, en trois parties, donc là, ça fait un petit peu avant-goût des différents services d'Azure Arc, mais on va voir donc des démos sur la partie serveur, sur la partie Kubernetes et enfin sur la partie App Service. Une dernière partie que j'aurais bien voulu faire, mais je pense que niveau timing, enfin, j'avais pas pu la préparer, du coup, c'est mort. Donc, qu'est-ce que Azure Arc? Microsoft, du coup, a sorti Azure il y a, comme on l'a vu dans la partie keynote ce matin, il y a pas mal d'années. Cloud public, Azure est présent dans une cinquantaine de régions dans le monde. Cependant, aujourd'hui, tout ne peut pas être déployé dans le cloud pour de multiples raisons. Ça peut être des questions de latence, un studio télé qui a besoin d'accéder à un certain nombre de données en live qui n'a pas le temps d'être envoyé dans Azure, tout ce qui va être militaire, tout ce qui va être régulation par rapport à des industries spécifiques ou tout ce qui est aussi pas disponible 100% offline. On en a parlé ce matin, le bateau ou une voiture dans la jungle qui n'a pas un accès direct, ou comme là sur la photo, l'ISS, où Microsoft investit aussi pas mal dessus. Par contre, ce n'est pas parce que tout ne peut pas être hébergé dans le cloud que tout ne peut pas être managé depuis le cloud. Donc, c'est un peu la promesse que nous fait Microsoft avec Azure Arc et les différents services qu'on va voir. Donc, c'est comment est-ce que je peux manager mon infrastructure, qu'elle soit dans Azure, qu'elle soit on-prem ou qu'elle soit dans un autre cloud, Amazon, GCP, etc., directement depuis Azure. Quel est l'avantage de faire ça? On va en trouver. Les développeurs, vous avez l'habitude de gérer un certain nombre de services Azure au quotidien. Si demain je dois déployer des applications dans un autre cloud ou on-prem, j'ai peut-être envie d'avoir les mêmes paradigmes de programmation que ce que j'ai dans Azure. Donc typiquement, déploiement par Bicep ou potentiellement avec du Terraform. Les app services que j'ai l'habitude d'utiliser depuis quelques années sur Azure, j'ai peut-être envie de les utiliser ailleurs. Donc voilà la promesse faite par Microsoft. Après, on va retrouver un certain nombre de choses. Donc, consumption-based licensing. L'idée du cloud, c'est d'avoir de la facturation à l'usage. On va retrouver un petit peu ça dans Azure Arc via le déploiement d'un certain nombre de différents services. Donc, bon, je ne me suis pas embêté, hein, j'ai pris les slides de Microsoft pour pas inventer la roue. Donc l'idée, c'est qu'on va retrouver, peu importe son cloud, donc Azure, AWS, Alibaba, votre private cloud sur VMware ou sur Azure Stack HCI. On va retrouver un certain nombre d'applications, que ce soit vos VM, des conteneurs, tout ce qui va être machine learning, database Azure SQL, etc., ou PostgreSQL, directement sur Azure. Et tout ça va être géré depuis le portail Azure, depuis le moteur ARM, pour au final avoir un seul portail un seul portail d'administration pour l'ensemble de vos applications, de vos clouds, etc.
Bon, ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ça va s'intégrer avec un certain nombre de services Azure, que ce soit pour la sécurité, donc l'intégration avec Azure Sentinel, Azure Cloud Defender, Azure Defender for Cloud, les Azure Policy dont on a parlé aussi tout à l'heure et qu'on en reparlera cet après-midi, etc. Sur n'importe quel cloud, comme je l'ai déjà dit. Quand on parle de Azure Arc, il faut voir ça en deux principales parties. La première, c'est comment est-ce que j'active mon infrastructure on-prem ou dans d'autres clouds dans Azure. Donc, ça va être la partie Azure Arc Enable Infrastructure. Donc, c'est comment est-ce que je mets mes serveurs, mes clusters Kubernetes, mes serveurs Azure, mes serveurs SQL dans Azure et je vais pouvoir les manager à distance. Et enfin, l'autre partie, c'est plus descendant, on va dire. C'est comment est-ce que j'active des services Azure dans mon data center, typiquement des app services, des Azure SQL, du machine learning, etc. Donc, il faut bien distinguer ces deux choses. L'un, c'est je remonte mon infrastructure dans Azure et l'autre, c'est je descends des services Azure dans mon infrastructure. Que ce soit AWS ou on-prem, encore une fois, il n'y a pas de différence. En termes de Enable Infrastructure, Microsoft propose actuellement trois parties. Donc, la partie projection des serveurs. Donc, comment est-ce que je gère mes serveurs on-prem ou dans d'autres clouds directement depuis Azure? Une petite sous-partie sur la partie SQL Server. Donc là, ça va plus être comment est-ce que j'utilise les services d'intelligence Azure sur la partie SQL, type recommandations d'index, tout ce qui va être audit des performances de mon serveur SQL directement dans Azure. Et enfin, Azure Arc Enable Kubernetes, on va parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais qui permet de faire sur tous les clusters validés CNCF, donc l'organisme qui gère enfin, qui standardise Kubernetes, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ces clusters Kubernetes directement depuis l'on-prem et potentiellement être la base de tout ce qu'on va voir par la suite. Dans la partie serveur, il y a plusieurs cas d'usage. Le premier, ça va être déjà de remonter les serveurs dans Azure et de voir un petit peu, pouvoir faire du tagging, pouvoir faire de la CMDB, pouvoir faire de la gestion de droit depuis Azure AD sur mes serveurs on-prem ou utiliser aussi Lighthouse si vous êtes Managed Service Provider pour potentiellement aller attaquer, vous connecter sur les serveurs de vos clients de manière plus sécurisée que directement avoir un compte chez eux. On va pouvoir aussi avoir tout ce qui va être l'usage des VM extensions, donc ils ne sont pas tous disponibles, mais ça permet de pouvoir gérer vos serveurs on-prem ou dans d'autres clouds pour faire de l'update management, pour pouvoir déployer des scripts ou pouvoir faire comme on va le voir tout à l'heure, de l'intégration avec un Key Vault, faire tout ce qui est inventory, change tracking, tous ces services vont être automatiquement, en fait, directement utilisables sur vos serveurs, qu'ils soient on-prem ou dans d'autres clouds. Les Azure Policy, qui sont importantes pour toute la gouvernance de votre parc. Aujourd'hui, vous pouvez déployer des Azure Policy pour vérifier la compliance avec n'importe quel standard de sécurité reconnu, CIS, FedRAMP, etc. Vous allez pouvoir non pas vous contenter des serveurs que vous hébergez sur Azure, mais aussi pouvoir vérifier la compliance de vos serveurs on-prem ou dans d'autres clouds. Tous ces genres de services vont être directement utilisables comme si vos serveurs étaient dans Azure. Sur la partie Kubernetes, on va retrouver d'autres types d'applications. La première que je trouve ça assez sympa, c'est Connect. Ça va vous permettre directement pouvoir vous connecter à des clusters Kubernetes qui seraient on-prem chez vous sans avoir de connexion entrante dans votre data center. Vous allez directement depuis Azure pouvoir vous connecter à vos clusters Kubernetes comme s'ils étaient disponibles depuis l'on-prem. Vos développeurs, vous leur donnez accès à des namespaces sur vos clusters. Ils vont pouvoir déployer leur workload directement sans avoir à être connectés au réseau de votre cluster. Le tout du coup depuis Azure.
La partie un petit peu phare que Microsoft met en avant, c'est la partie GitOps, qui consiste non pas à gérer vos clusters Kubernetes un petit peu à l'ancienne, en déployant des YAML, etc., un petit peu à la mano depuis votre chaîne CI/CD. L'idée, c'est de contenir l'ensemble de votre configuration de cluster Kubernetes directement dans un Git, et le cluster est synchronisé avec ce Git et va appliquer ou supprimer l'ensemble des ressources en live pour faire de la gestion at scale de vos clusters Kubernetes. Un cas d'usage, ça pourrait être j'ai des clusters Kubernetes dans toutes mes usines qui gèrent des applications propres à mes usines. Si j'ai une centaine ou un millier de clusters Kubernetes, le tout relié au même repo Git, je vais pouvoir automatiquement déployer at scale mes applications, les mettre à jour, etc. Ça, c'est un petit peu l'idée. La partie operate and monitor, je ne vais pas trop revenir dessus. L'idée, c'est que on a l'intégration avec Azure Monitor, Azure Monitor Container, je ne sais plus, pour gérer toute la partie monitoring de vos clusters Kubernetes. Bon, ça, du coup, j'en ai déjà parlé. On a aussi toute la partie intégration à Azure Airbag. Si vous voulez, vous connectez directement avec vos comptes Azure AD sur vos clusters Kubernetes on-prem. Ça ne marche pas, si je ne dis pas de bêtises, sur GCP AWS, vu qu'on n'a pas accès à l'API Server. Mais c'est un autre concept qui va nous servir après sur la partie App Service et sur la partie aussi Data Service, c'est les Custom Locations. Les custom locations, ça va vous permettre de, sur un cluster Kubernetes, de déclarer un namespace qui va être projeté dans Azure. Et quand vous allez déployer une application, un app service, une web app, dans la liste des régions Azure, vous allez en plus voir apparaître votre custom location qui correspond à votre cluster Kubernetes on-prem ou dans notre cloud. Typiquement, les développeurs, du coup, ont la même expérience pour déployer une web app qu'elle soit dans Azure ou ailleurs. Donc, on verra ça aussi tout à l'heure. La partie data service, alors là, c'est un petit peu compliqué. C'est Microsoft qui met à disposition de la managed instance Azure SQL ou en preview du PostgreSQL directement on top de vos clusters Kubernetes et gérer de manière as a service. Donc, typiquement, tout ce qui va être mise à jour de ces instances va pouvoir se faire directement depuis le portail Azure ou depuis les services, depuis le service Azure. On va pouvoir aussi faire tout ce qui va être backup, restore, du scaling et aussi tout ce qui va être pay as you go d'instances Azure SQL, par exemple, directement avec Microsoft. À partir de là, se pose la question, est-ce que je fais plutôt du Azure Arc Enable Manage Instance ou un serveur SQL existant? La philosophie est différente. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir un service managé Azure SQL directement disponible sur mon infra Kubernetes. Tandis que l'autre, c'est j'active des services Arc pour gérer mes serveurs SQL existants directement depuis Azure pour avoir un petit peu tout ce qui va être inventaire du Defender ou du l'assessment de la santé de mes clusters SQL. Donc ça, c'est du managed service Azure SQL, tandis que là, c'est vraiment nos infra SQL serveurs existants. Enfin, Microsoft a mis en... Alors, je ne sais plus si c'est sorti en GA ou si c'est toujours en preview. Donc, les app services, donc les web apps, function app, logic app, API management et EventGrid, dont on a vu tout à l'heure une petite démonstration, directement sur Azure Arc. Donc, pareil, ça va être on top d'une infrastructure Kubernetes existante. Et aussi la partie machine learning. Donc ça, machine learning, je crois que c'est encore en preview. Donc l'idée, c'est que n'importe quelle infrastructure, que ce soit on-prem ou dans d'autres clouds, puisse héberger des web, des function apps, logic apps, comme on a actuellement dans Azure, pour tout ce qui va être simplifier la vie de mes développeurs pour qu'ils aient la même expérience, peu importe d'où ils déploient l'application. Donc si on a déjà investi là-dessus, ça peut être une
une bonne occasion. Un petit focus sur Azure Stack HCI. Donc, pour ceux qui ont suivi la première session, Azure Stack HCI, c'est Microsoft qui vous met à disposition via un partenaire, Dell, Lenovo, etc., un ensemble de serveurs configurés un peu comme dans Azure. Donc, ce n'est pas Azure Stack Hub où on a vraiment une région Azure. Là, c'est l'hyperconvergé infrastructure que vous pouvez acquérir et sur laquelle vous allez pouvoir installer à la fois des VM qui vont être gérées depuis Azure ou un cluster AKS directement sur votre Azure Stack pour héberger tout ce qu'on a vu précédemment, les app services, les data services, etc. En preview aussi, on a VMware qui va vous permettre de directement déployer des machines VMware sur votre infrastructure VMware on-prem ou dans AVS ou dans l'équivalent chez AWS ou GCP directement depuis le portail Azure. Donc, vous mettez vos images dans le service et directement via le portail Azure, vous pouvez déployer des VMware sur votre infrastructure on-prem ou dans d'autres clouds. Donc, c'est en preview, c'est assez limité pour l'instant. Je voulais vous le montrer, mais ça marche que sur VMware 6.7. Et moi, j'ai mon lab est en 7, donc ça ne marche pas. Là, sur la partie VM, on parle plus de VMware ESX. Par contre, la partie Kubernetes, c'est en effet sur Tanzu. Ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup, on utilise le Azure Airbag pour donner les droits. Typiquement, ma population développeur a le droit d'utiliser uniquement telles images et tel réseau virtuel NSX sur mon infra VMware. Tel autre développeur a ces droits-là. On peut utiliser tout la puissance de Azure Airbag pour déployer nos workloads. En termes de prix, Azure Arc a différentes offres. La partie qui est gratuite, c'est tout ce qui va être gestion depuis Azure de mes environnements. Donc, tout ce qui va être tagging, etc. Dès qu'on va vouloir utiliser un certain nombre de services, typiquement les policies, l'update management, ou tout ce qui va être app service, data service, etc., là, on va devoir payer par service. La partie Kubernetes, typiquement, on va payer un nombre de cœurs. La partie data service avec PostgreSQL et Manage Instance, pareil. Tout va être fait en nombre de cœurs. Et après, tout ce qui est data analytics, log analytics, etc. Ça va plutôt être la quantité de données injectées, Sentinel aussi. Je ne sais plus si j'ai un slide dessus, non. Donc, Microsoft nous met à disposition ce qu'on appelle un site, donc azurejumpstart.io, un ensemble de scénarios que vous allez pouvoir jouer vous-même pour monter en compétence dessus, pour tester ou juste pour essayer. C'est assez bien. Je dis pas que suffit de suivre le tuto de A à Z, mais presque, parce que les technos évoluent tellement rapidement, les docs sont souvent pas à jour ou il y a quelques petits problèmes par-ci par-là. Mais bon, au moins, ça vous donne l'occasion de tester. Alors, le Jumpstart est gratuit, parce qu'au final, c'est juste de la doc que vous allez pouvoir suivre. Vous pouvez déployer l'ensemble des scénarios sur différentes infrastructures, que ce soit sur Azure, sur VMware Tanzu, sur AWS, sur GCP, etc. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent à disposition aussi ce qui s'appelle la ArcBox. Donc, il y a plusieurs flavors de l'ArcBox. Donc là, c'est la version full qui va vous permettre de déployer dans Azure. Donc, c'est un peu de la triche puisqu'on va déployer de l'Azure Arc dans Azure. Il n'y a pas un réel cas d'usage de tous les jours, mais ça vous permet de déployer rapidement un ensemble, donc toute cette infrastructure. Donc, on va retrouver des machines Windows, des machines Linux, du cluster Kubernetes, du data service, etc. pour vous permettre vraiment là de vous faire la main sur le sujet
Si vous déployez la version full, vous aurez besoin de 52 cores de type DSV4. Donc, ça va consommer un petit peu. Mais par contre, ça va vous permettre rapidement, donc ça se déploie en 1h30, 2h, d'avoir accès à l'ensemble des services pour jouer avec. Donc après, vous allez pouvoir vous intégrer avec Azure Monitor, Policy, etc. Donc c'est un peu ce qu'on va voir maintenant. Donc sur la partie serveur, donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble déjà, Azure Arc dans Azure. Regardez un petit peu tout ce qui est Dev Management, Defender for Cloud. Et après, on va avoir deux petits scénarios. Donc, qui est comment est-ce que je provisionne sur une machine qui serait on-prem grâce à Bicep, une intégration avec un Key Vault dans Azure, et comment est-ce que je déploie un serveur 2IS qui utilise un certificat stocké dans mon Key Vault. Donc, c'est le cas d'usage. C'est vraiment, je suis un développeur, j'ai mon infra on-prem, et j'utilise les mêmes paradigmes que ce que j'utilise dans Azure, donc un déploiement d'un bicep, pour aller manager mes machines on-prem. Et enfin, Remote Connect, qui va vous permettre, en fait, si j'ai une machine on-prem ou dans un autre cloud, de vous connecter, ben là, ça va être en SSH, directement sur ma machine on-prem, sans avoir à ouvrir de flux, etc. Ma machine est disponible dans Azure, et je fais un SSH dans Azure, qui va se connecter après sur ma machine on-prem. Alors, où est mon portail Azure? Tac. Donc là, si vous regardez, alors je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je zoome, ce sera peut-être mieux. Donc là, j'ai mon ressource group Arcbox avec l'ensemble des ressources déployées. Donc là, j'en ai 95. Il y a un peu plus que ce que va vous déployer de base le. Le code qu'il avait créé, ça se ressemble au Arcbox, ou c'est nativement, il y a une. Non, ça, c'est moi qui l'ai créé. J'ai suivi. Tac. D'accord, mais. Ah, zut. Comme par exemple, c'est pas le bon browser. Jump start. Tac. Donc en fait, si vous voulez déployer l'Arcbox, vous suivez cette petite doc qui va vous faire de A à Z le déploiement de l'infra. Donc après, il y a quelques configurations à faire, mais voilà. Donc, vous avez tous les prérequis. Vous pouvez le déployer via Bicep, via ARM, via Terraform. Il y a toutes les options possibles, via Azure CLI, etc. Qu'est-ce que je voulais montrer ici? Donc, je vais redire le zoom parce qu'au final, c'est moi qui ne vois plus. Donc là, si je groupe par type, ce qu'on va voir, c'est que sur la partie serveur. Donc là, vous voyez, j'ai deux clusters Kubernetes. Kubernetes Azure Arc. Donc, c'est des clusters Kubernetes qui sont on-prem, mais qui ont été projetés dans Azure. Donc, je peux voir un certain nombre d'informations sur leur type. Là, je vais faire pareil sur la partie serveur Azure Arc. Donc là, vous voyez, j'ai 5 serveurs qui sont on-prem, mais qui ont été projetés dans Azure Arc. Si je veux, je peux me connecter dessus. Je peux mettre des tags pour, je sais pas, environnement, prod, etc. Et du coup, après, ça va me permettre de faire ma CMDB, pouvoir appliquer des policies, etc. sur mes machines. Donc, je peux vraiment remonter l'ensemble de toutes mes machines de mon parc directement en Azure. La partie Update Management, donc ça, c'était déjà possible sans Azure Arc, mais disons que le fait de mettre en place Azure Arc va vous faire remonter automatiquement l'ensemble des machines dans Update Management. Donc là, typiquement, je vois qu'une machine on-prem
à des patchs manquants. Je vais pouvoir aller les voir et les déployer directement depuis mon infrastructure, depuis Azure. On va retrouver tout ce qui est inventory. Là, il n'y a pas de secret. Donc, je vois l'ensemble des programmes qui sont déployés sur ma machine, dont le Azure Connected Management Machine Agent, qui est l'agent Azure Arc, qui me permet en fait de faire toutes les communications entre ma machine et Azure. Ce qui est intéressant avec Azure Arc, c'est qu'en fait, il va créer aussi une Managed Identity pour ma machine on-prem. Donc, la Managed Identity dans Azure permet de faire un certain nombre de choses, de me connecter à d'autres services Azure, et c'est ce qu'on va voir en fait, surtout sur l'intégration avec le Keyvault. Donc là, en fait, j'ai ma machine ArcBox Windows 2022 qui est projetée dans Azure. J'ai un Keyvault que je ne sais plus comment je l'ai appelé, si ArcBox Keyvault, qui contient un certificat pour un site bidon qui s'appelle azurebootcamp.com. Donc, le certificat a été généré et je peux y accéder. Et donc là, dans mon access policy, mais j'aurais pu le faire aussi en utilisant Azure AD directement, j'ai une access policy qui me permet d'accéder à mon Keyvault depuis la Managed Identity d'un serveur qui est on-prem. Typiquement, si j'ai été dans Azure, c'est ce que j'aurais fait directement. Sauf que là, en fait, ma machine est dans Azure, elle est directement on-prem et je peux l'ajouter dans les permissions d'accès à mon Keyvault. Oui. La différence entre Kubernetes et Azure Arc, le type, là, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. C'est les deux sens, il y en a un qui a remonté, qui était déjà existant, qui a remonté. Donc là, les deux, c'est de l'infrastructure qui a remonté dans Azure. Ouais. Et les autres, en dessous, c'est l'inverse. Non. Ce qu'on va voir après, ce qui a été déployé depuis Azure Arc, donc la partie service, c'est ça. Donc c'est la base de Postgres, le data controller, le App Service Kubernetes Environnement qui permet de déployer de l'App Service, là, pour le coup, sur mon infra Kubernetes. Là, tout ce que je vous montre, c'est la partie vraiment comment est-ce que j'en projette des ressources qui sont on-prem dans le cloud. Et comment on le met en place ? On installe un agent sur la machine ? C'est ça. Donc, en fait, ce qu'on crée, c'est qu'on crée un compte, un service principal qui a des droits limités pour juste joindre la machine dans Azure Arc. Et après, j'installe l'agent avec le service principal qui va bien et automatiquement, la machine apparaît dans Azure Arc. Ah. Et en soi, c'est quoi la communication ? HTTPS. HTTPS direct via un proxy et prochainement avec ExpressRoute et un private link. Donc pour l'instant, on reste sur le que du public, mais ça arrive en privé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ici? Donc là, je suis connecté sur la machine cliente déployée par ArcBox, mais c'est juste pour me permettre de pouvoir rebondir après sur d'autres machines. Donc là, on voit qu'il a déployé, c'est un serveur Hyper-V nested dans Azure, qui m'a déployé les VM qui ont été intégrées à Arc. C'est quoi déjà le mot de passe? C'est Arc, Arc démo. 1, 2, 3, tac, tac. Donc là, je suis sur ma VM qui a été projetée dans Arc. Certlm.msc. Bon, je vois qu'elle n'a pas de certificat, que 2IS n'est pas installé. Enfin, ça, il faut me croire. Là, on a, enfin, il y a une netpub, mais c'est une ancienne trace. Mais et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est depuis mon poste de travail qui est pas du tout dans Azure ou quoi que ce soit, j'ai un petit fichier BICEP que je vais ouvrir
Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, contrôle plus plus. Donc, j'ai deux ressources. Donc, Biceps, c'est l'infrastructure as code nouvelle génération de Microsoft. Donc, je vais déployer deux choses. Une extension sur ma machine Azure Arc. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les extensions des VM Azure, d'habitude, vous avez microsoft.compute slash machine, je crois, ou virtual machine, je ne sais plus. Et après, l'extension. Donc là, vu qu'on est sur du Arc, en fait, on va changer le resource provider pour du hybrid compute. C'est le même principe. Là, ça ne va pas changer grand-chose. C'est la même définition de mon extension, sauf que cette fois, je l'applique à une machine Arc. Donc là, ça va me permettre en fait d'aller synchroniser les secrets d'un Key Vault entre ma machine et mon Key Vault. Donc la seule différence, c'est que normalement, vous utilisez le Managed Service Endpoint, Identity Endpoint global à Azure. Là, vu que vous êtes on-prem dans une machine avec Azure Arc, en fait, l'agent Azure Arc installe un proxy qui va aller récupérer l'identité dans Azure pour faire du Manage Identity un petit peu fake directement depuis Azure. Donc là, en fait, on doit réécrire l'URL du service en question. Donc là, je récupère mon certificat et là, je vais déployer un script que j'ai à cette adresse-là, donc qui installe 2IS et qui va mettre un petit contenu dans un fichier et qui va surtout binder le certificat déployé au préalable avec mon Key Vault. Donc, je vais déployer le truc en espérant que ça marche. Donc là, si je retourne sur ma machine 2022, que je vais dans les extensions. Donc là, on voit qu'il est en train de déployer l'extension Key Vault for Windows sur ma machine qui est on-prem. Ça aurait pu être dans AWS, etc. Et dans quelques... ça a été rapide. Il faut attendre un petit peu qu'il fasse la synchronisation, etc. Mais normalement, il est déjà apparu. J'ai un certificat qui a été installé dans ma machine. Et donc là, normalement, il va passer à l'installation de 2IS directement. Ouais, elle est on-prem. Enfin, elle est dans Azure cachée. Mais c'est comme si j'étais on-prem. Donc pendant que... Ah non, ça, c'est autre chose. C'est pas le bon truc. Toujours infrastructure, vous la faites toujours remonter vers Azure. Et par contre, les services, vous les faites descendre sur le ouais. On-premises. Quoi. C'est ça. C'est toujours comme ça ? C'est toujours dans ce sens-là ? Oui. Oui. D'accord. Donc là, bon, vous avez une autre ligne de commande. Je ne sais pas si vous la voyez, AZ, SSH, Arc, Local User, Arc Demo, Arcbox, Ubuntu. Donc là, en fait, j'ai pas de. Je vais être depuis ma machine. Je vais prendre ce PowerShell. Je suis sur ma machine qui n'est pas du tout connectée à la machine, la Arcbox Ubuntu, qui est une machine Ubuntu qui est connectée à Azure Arc. J'ai activé le service, donc c'est quelque chose qu'il faut faire sur l'agent Azure Arc. Mais je vais pouvoir directement me connecter en SSH sur ma machine qui est on-prem, dont j'ai pas accès direct, ça va créer un tunnel en fait entre la machine Arcbox Ubuntu et Azure. Et donc là, pareil, je tape le mot de passe, tac, et je suis connecté sur ma machine Ubuntu sans être connecté physique. Alors, je me souviens plus du mot de passe. Arc démo 1, 2, 3. Bon, faut me croire, ça marche. Je sais plus. Faut d'une noter. Mais bon, vous voyez que la connexion se fait, mais c'est moi qui oublie.
Est-ce qu'il y a des questions sur la partie Arc Server? Donc là, je ne sais pas si où ça en est le déploiement de. Bah après, c'est là où tu gères via le Azure AD l'accès ou pas à tes machines, en fait. Oui, mais ce qu'on voit en général, tu te connectes au VPN et depuis le VPN, tu donnes l'accès à la machine qui est dans le réseau Indus. Alors, oui, pour du réseau Indus, là, je pense qu'on est un peu... Mais pour de la machine qui sera en data center ou quoi, bah, ça peut être acceptable. Je dis pas que c'est le truc à faire, mais pourquoi pas. Enfin, il y a des cas d'usage sur lesquels on va pouvoir, ça peut être utile. Sur la partie Kubernetes, donc là, bah, pareil, je vais vous montrer la partie comment est-ce que je me connecte à un cluster Kubernetes via un tunnel qui sera créé entre ma machine et Azure et mon cluster Kubernetes. Azure Monitor for Containers, donc là on va aller rapidement, c'est pas un gros intérêt. Et enfin la partie GitOps qui me permet de synchroniser un cluster Kubernetes avec un repo Git qui contient l'ensemble de la configuration de mon cluster ou de mon namespace. Donc si je reviens ici, donc là, bon, vous avez trouvé ça pas très très sécure non plus. Pour activer la partie connexion, d'ailleurs, il manque un truc là, connexion à mon cluster Kubernetes, je vais avoir besoin soit d'intégrer mon cluster Kubernetes à Azure AD. Et dans ce cas, je vais pouvoir directement me connecter avec mon compte Azure AD. Ou là, ce que j'ai fait, je l'ai fait un petit peu à l'ancienne. J'ai créé un service account Kubernetes, récupéré le token. Et c'est ce token-là que je vais utiliser pour me connecter en tant que mon service account. Ce n'est pas le truc non plus le plus sécur. Mais l'intégration à Azure AD demande un peu plus de boulot. Donc, j'ai laissé pour le coup. Donc là, ce que je vais faire... J'ai mon token. Donc là, mon cluster Kubernetes qui s'appelle Arcbox Capi Data, je vais y accéder directement depuis ma machine qui est pareil, pas du tout sur le réseau du cluster, etc. Pour ceux qui connaissent l'outil Lens pour gérer des clusters Kubernetes, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Ça fait papa-maman de manière un petit peu graphique sans avoir à connaître les commandes kubectl. Donc là, vous voyez que je ne suis pas connecté à mon cluster ou quoi que ce soit. Là, je vais lancer la ligne de commande avec mon token. Donc là, je suis connecté à Azure AD via la commande Azure Login avant. Et en fait, l'outil, enfin le Azure CLI va me créer un tunnel entre ma machine et Azure pour me connecter à mon cluster Kubernetes et va faire un merge dans mon kubeconfig de ma connexion à mon cluster. Donc là, normalement, si je fais un reconnect, donc je vais avoir normalement une petite erreur, mais ça ne devrait pas poser de soucis. Et donc là, bon, vous ne voyez pas grand-chose en noir, mais là, du coup, j'ai... mes nœuds, là je peux voir mes différents pods déployés sur mon cluster sans être physiquement connecté ou en tout cas réseau connecté à mon cluster. Donc imaginez, vous avez une centaine de clusters Kubernetes à travers le monde, vous n'avez pas besoin d'aller vous connecter, de faire un VPN entre chaque cluster et votre réseau pour aller les gérer ou pour aller déployer des choses. Donc ça, c'est l'idée du Remote Connect, du Cluster Connect de Azure Arc. Le tunnel SSH, en fait, il tend, il y a une connexion. Est-ce qu'il est résilient, le tunnel SSH? Bah après, c'est derrière, c'est un pod qui est créé sur le cluster qui va permettre de faire la connexion. Donc après, si le pod, il tombe, il va être créé.
Si après oui, c'est pas infaillible ou quoi. Il y a potentiellement besoin. Enfin, j'imagine si c'est dans un magasin ou quoi, d'avoir une connexion peut-être ou de redémarrer le cluster, etc. Oui, on pourrait. Après, le cas d'usage, c'est plus gérer mes clusters que d'avoir de la communication interpod entre différents clusters. Tac. Là, si je retourne sur mes clusters Kubernetes, je vais reprendre lui. Sur la partie Container Insight, vu qu'ils sont intégrés, enfin, le cluster a été intégré à Azure Arc, je vais pouvoir faire toute mon analyse de log, mon monitoring de mes clusters directement depuis Azure. Donc, toutes les informations remontent. Donc là, je suis sur l'utilisation des nœuds. Je peux voir l'utilisation de mes conteneurs sans avoir, pareil, à me connecter sur mon infra on-prem. J'ai tout ça en live si besoin. Je peux pas me connecter directement sur le pod pour aller récupérer les logs ou exécuter des commandes. Ça, je vais devoir le faire avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, Remote Connect. Mais je vais pouvoir, en tout cas, gérer, monitorer l'ensemble de mes clusters directement depuis Azure, comme si je monitorais un cluster Kubernetes standard, enfin AKS standard. Et après, j'ai accès, pareil, au workbook, au log, etc., sans problème, quoi. Et enfin, la partie GitHub. Donc lui, ça, je l'ai configuré sur un autre cluster, qui est un cluster K3S. Donc, l'idée de GitHub, comme je vous l'ai dit, c'est de configurer un cluster pour qu'ils n'ont pas à avoir à les déployer à la main ou via du CI/CD, des YAML directement. Le cluster est autonome et va aller gérer sa propre configuration basée sur un repo Git. Donc là, je sais pas si... Non, je l'ai fermé. Bon, je l'ai ouvert ici. Donc, je vais vous le montrer là. Donc là, j'ai un repo Git qui a été configuré avec pour déployer une application qui s'appelle Hello Arc. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la gueule des fichiers YAML. Donc là, on va déployer un conteneur qui s'appelle Hello Arc, qui vient de tel repo. On va déployer 3 réplicas. On va avoir un ingress qui va me permettre d'accéder à mon service directement depuis en sortie de mon cluster, enfin, en entrée plutôt du cluster. Donc, voilà, ça c'est mon application. Donc là vous voyez, j'y accède. Donc là j'ai généralement le nom des pods qui change quand je rafraîchis. Pas tout le temps. Okay. Tac. Et voilà. Si je retourne sur Azure et qu'on regarde un petit peu comment ça a été configuré, donc il y a une configuration GitOps. Donc pour ceux qui font un peu de GitOps, il y a deux fournisseurs majeurs, donc il y a Argo CD et Flux. Microsoft a choisi de faire avec Flux. Donc on a du V1 et maintenant on a du V2 en preview. Donc c'est comme ça que je l'ai configuré. Donc là, le Hello Arc, en fait, va aller chercher sur ce repo Git, qui est mon repo Git Azure Arc, et se synchroniser dessus. Donc j'ai un fichier, bon c'est pas du customization, c'est juste un YAML, enfin des YAML simples. Donc là je lui donne le chemin sur lequel il doit aller monitorer dans mon repo Git et il va aller synchroniser, ben là toutes les minutes, il va aller supprimer les anciens trucs, il va recréer si besoin ce dont il a besoin. Donc voilà. Donc là vous voyez l'application a été déployée. Je vais vous mettre, on va faire un kubectl
Tiens, ça me paraît pas mal, ça. Là, du coup, je vais éditer mon fichier helloarc.yaml. Donc, donc là, il y a un petit message. Donc, c'est le message que vous voyez. Donc là, si je mets hello gab, oups, je suis en QWERTY, gab 2022 on Kubernetes. Donc là, mon repo a été mis à jour. Donc là, on va toujours à l'ancien message. Donc là, c'est censé bouger à cet endroit-là. Et normalement, au bout d'une minute, à peu près, on devrait voir la nouvelle version. Donc là, pareil, sur la partie overview, on voit qu'on est encore compliant. Il n'a pas encore récupéré la nouvelle version. Et au bout d'un moment, ça devrait se réveiller. Non, on ne peut pas. Après, pas que je sache, peut-être qu'il y a des experts Flux dans la salle, ils peuvent me dire. Mais non, en fait, l'idée, c'est vraiment de gérer une infrastructure à scale de dizaines ou centaines de clusters Kubernetes. Et du coup, l'idée, bah, c'est vraiment qu'ils aillent récupérer leur conf sans que moi, développeur ou admin, j'ai besoin d'aller taper le truc. C'est quand même d'avoir un approval, des choses comme ça qui, on va dire, sécurisent ou mettent au courant le chef de projet ou le décisionnaire qu'il va y avoir un changement. Là, on coupe un peu tout ça, c'est possible d'implémenter quand même. Bah après, oui, tu peux le faire avec en utilisant différentes branches ou quoi. Tu déploies, une branche staging, tu vas déployer sur quelques clusters et après, tu fais une branche prod et tu déploies comme ça. Après, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres mécanismes, c'est celui qui me vient à l'esprit. Ouais, déjà, passer d'une branche à l'autre. Bon, ça va faire l'effet démo, là, je sens. Statut last updated, pourtant. Peut-être qu'il l'a mis à jour et que j'ai pas eu le temps de voir, mais ça m'étonnerait. Ah bah si. Bon, du coup, on l'a même pas vu. Par contre, c'est bizarre que lui ne m'ait pas affiché. Ah, oui, je suis dans le cube CTX. J'étais pas sur le bon cluster. Arcbox, tac. Bon, je vais vous le remontrer dans l'autre sens. On prend de l'avance. Ah bah voilà, là je me disais bien, on voyait pas les conteneurs. Donc là on voit que les conteneurs sont running, donc les trois conteneurs actuels. Et au bout d'un moment, du coup, on va devoir des nouveaux se créer et les anciens se supprimer. Bon, ça a marché une fois, ça devrait marcher une deuxième fois. Je suis pas trop inquiet sur le sujet. À une minute, si on a loupé la synchronisation de quelques secondes, en effet, ça peut prendre une minute. On ne dit pas qu'il a mis à jour, non ? Bon, là, on voyait que les conteneurs avaient été créés depuis 50 secondes, hein, quand j'avais lancé la commande. Donc, c'était assez récent. Bah ouais, voilà. Donc pending, container creating, tac. Donc là on voit qu'il termine les anciens. Et voilà. Donc là on voit qu'on est sur 2023. Donc voilà pour la partie GitOps, ce qui nous permet d'avancer
rapidement du coup sur la suite, parce que là je vois que je suis un petit peu à la bourre, sur la partie App Service. Donc la partie App Service, comme je l'ai dit, hein, ça permet aux développeurs qui ont l'habitude de déployer des web apps, des functional apps, logic apps, etc., de le faire on-prem cette fois ou dans AWS, si on est fou, hein, si on n'a pas envie d'utiliser les lambda d'AWS, on a envie d'utiliser Azure Functions, on va pouvoir le faire grâce à Azure Arc for App Service. Donc, on va configurer deux choses. Donc, la première, les custom locations, comme je vous l'indiquais, qui permettent en fait d'avoir directement dans Azure comme une région, sauf qu'en fait, on va avoir notre namespace Kubernetes qui va être utilisé pour héberger l'App Service. Et enfin, on va pouvoir déployer une web app comme on déploie dans Azure. Alors, pour faire ça, donc, bien sûr, il y a un certain nombre d'étapes prérequis, mais qui sont aussi décrites dans les Jumpstart scénarios. Si vous voulez regarder dans les app services, vous pouvez déployer. Ils ne sont pas allés très loin dans les différents types de clusters que vous pouvez jouer avec. Mais si je prends le CAPI, là, tel que je l'ai. Non, c'est où ? Si, c'est là. Il n'y a pas les... D'accord, il n'y a que les... Bon, après, il faut regarder. Ah oui, parce que là, on choisit en fait ce qu'on veut déployer après. Enfin, je ne l'ai pas fait comme ça, moi. Et voilà. Donc là, si on regarde... J'ai mon cluster qui a été préparé. Donc là, j'ai une custom location qui s'appelle CAPI App Service. Et là, si je veux, à l'ancienne, je vais pouvoir créer une web app. Je ne l'ai pas là. Pouvoir créer une web app. Sauf que région, et ben là, vous voyez toutes mes régions. Et en haut, je vois CAPI App Service. Donc là, je vais pouvoir déployer ma web app. Donc là, on voit qu'elle est exposée. Alors, pour ceux qui font un peu de Kubernetes, il y a un ingress qui s'appelle Envoy, qui a été installé sur le cluster et qui, en fait, va me permettre d'accéder à mon application. Merci. Ouais. Donc là, je vais mettre... non, si j'avais mis après un petit nom, donc je vais essayer de retrouver le même, histoire que ce soit WebArc, je l'avais appelé. WebArc. Donc là, comme dans is not available, on va l'appeler 1. Comme dans les web apps standards, vous pouvez soit déployer du code directement, soit un Docker conteneur, comme vous avez l'habitude. Donc là, je vais prendre du code directement. Vous avez un petit peu un certain nombre de runtime qui sont disponibles. Bon, là, on va prendre du Node 14. Région, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Bon, je vais zapper toute la partie networking qui ne nous intéresse pas et Application Insight. Donc il y a un App Service Plan, je suis allé trop vite, qui est utilisé, mais c'est exactement pareil que les App Service Plans qu'on va retrouver dans Azure. Comment je l'ai appelé déjà mon. Là, il faut que je repasse sur mon CAPI, tac. Kubectl, get. Alors, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Voilà, ça me paraît pas mal. App Service NS, voilà. Et donc, il l'a déjà créé, en fait. Donc là, il y a un pod qui a été créé pour ma web app, donc qui s'appelle WebArc 1. Si je regarde les services, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai mon Envoy qui est ici. Et normalement, sur l'URL en question, tac. Là, on va retrouver la page de base de la web app. Et directement, en fait, depuis Azure,
je vais pouvoir déployer un package.zip. Pour ceux qui ont l'habitude de déployer des web apps, ça change pas. Vous pouvez faire l'intégration à un GitHub aussi avec le Deployment Center si vous voulez. Mais là, je vais déployer ma web app. Ah bah oui, du coup, j'ai changé le petit nom. Tac. Oula. No such file. Ah oui, mais je l'ai bougé. Démo. Tac. Après, il y a un certain nombre de limitations. On n'a pas les manager identity sur les apps, ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage pour l'instant. J'espère que ça va arriver. Mais voilà. Donc là, normalement, si je fais F5, ma super application Hello World est déployée dans ma web app on-prem, dans mon cluster Kubernetes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Non, ce sera que pour notre utilisation. Enfin, la partie ouais, région, ouais, non, ça va être ouais, pour notre utilisation. Ah, je vais pas regarder tout à l'heure mon. S'il l'avait fait. Ouais, le 2JS s'est installé aussi, mais ça prend un peu de temps. Non, je crois que c'est ça. Pas de questions. Bah, je pense que du coup, on est bon.